Au XIVe siècle, les Français connurent une crise sans précédent. Ils affrontèrent une créature sanguinaire qui faillit les mener à leur perte. On l'appelait le géant de Bourgogne. Pas toi, il escarpe. Une épaisse carapace et des yeux perçants font de l'escargot de Bourgogne un animal craint et respecté par le reste de la faune. Dans la ville fortifiée de Saint-Jean-la-Baguette, le seigneur Dupont a fait rassembler des troupes afin d'assurer la protection des vivres de la ville qu'il surveille personnellement. Une fois la faiblesse de l'ennemi trouvée, il devint la nourriture principale du royaume pendant les temps de famine. L'engouement des Français pour sa chair fut tel qu'au fil des siècles, l'escargot de Bourgogne évolua vers la taille que nous lui connaissons aujourd'hui. Il devint ainsi un mets raffiné qui provoque encore de nos jours l'incompréhension du reste du monde.